un moment d'émotion assez fort. J'ai vu mes parents pleurer, pleurer de joie bien évidemment. Et puis aussi des amis qui étaient présents ce soir de l'élection. Ça fait d'être le plus jeune sénateur de l'histoire de France. C'est à la fois une lourde responsabilité et une envie de démontrer que c'est pas une question d'âge, c'est une question de compétence et d'envie et de volonté politique. Et donc j'y vais aussi forcément pour être utile à la fois pour les collectivités territoriales samariennes et puis pour la France, pour faire avancer la loi dans le bon sens. J'ai tout simplement pris ma carte à l'âge de 15 ans au mouvement des jeunes socialistes. Derrière, je me suis fortement investi, que ce soit dans mon lycée en tant que conseiller national de l'UCN. Après, j'ai fait forcément des instances jeunesse. Et puis, à 19 ans, j'ai été élu conseiller municipal de Camon, une ville de 4500 habitants à côté d'Amiens. Et je me suis engagé. Et puis, en parallèle, je me suis toujours engagé dans le milieu associatif, où j'ai fréquenté forcément des associations de l'éducation populaire, que ce soit Léo Lagrange, les CMEA, etc. D'un point de vue professionnel, j'étais chef de projet auprès des collectivités territoriales, donc je travaillais auprès des collectivités, donc je les accompagnais dans des projets de dématérialisation, dans des projets autour du numérique. Et puis de l'autre côté, j'étais élu local, donc conseiller municipal de Camon, délégué au numérique. Et je me suis dit que j'avais quelque chose à apporter au Sénat, une certaine fraîcheur et aussi des sujets notamment sur l'économie du numérique, sur lequel je vais pouvoir en tout cas y bosser puisque je siège à la commission Affaires Éco. Avec une délégation aux entreprises. Donc, je souhaite m'investir pleinement sur les sujets d'actualité et notamment sur la crise économique, la crise sociale et la crise écologique. J'ai fait des milliers de kilomètres, j'ai fait une vingtaine de réunions publiques, des centaines de rendez-vous en mairie et forcément ça, c'est une campagne de terrain où il faut aller rencontrer les élus locaux un par un, parfois plusieurs, mais l'idée, c'est de prendre connaissance de leurs problématiques dans leur commune et de réfléchir à quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble pour leur faciliter leurs projets. Ma démarche, c'était un sénateur, ça doit être un facilitateur de vos projets pour la réussite de vos mandats. C'était un peu l'axe, troisième axe de campagne. Après, il y avait un autre axe, c'était sur notamment la défense des services publics dans les territoires pour combattre notamment la fracture numérique. Et puis aussi, le premier axe, c'était tout simplement avoir une vraie décentralisation, pas avoir une décentralisation un peu déguisé, sans avoir de moyens financiers en face. J'attends beaucoup en tout cas de ce plan de relance et que quand on dit, que ce soit le président de la République qui dit tout simplement que la relance doit passer par les collectivités territoriales, maintenant on attend des actes.